Ce film raconte la guerre secrète qui opposa pendant près de 10 ans les États-Unis au général de Gaulle entre 1961 et 1969 à travers les archives, notes, rapports confidentiels aujourd'hui déclassifiés de la CIA, du Pentagone et du département d'État américain, ainsi que les témoignages des conseillers, collaborateurs et ministres de Kennedy, Johnson, Nixon et de ceux de Charles de Gaulle. Selon un rapport de la CIA, de Gaulle, Charles, né le 22 novembre 1890 à Lille. Santé excellente, journée de travail courte, entre 8h30 et 19h. Il ne reçoit plus d'appels téléphoniques après 20h, sauf en cas de crise. Il ne lit plus de romans, seulement des essais, en particulier les travaux scientifiques sur le nucléaire. Aujourd'hui, mercredi 31 mai 1961. Vous, de Gaulle, vous recevez ce jour-là à Paris votre ami américain, le président des États-Unis, John Kennedy. Dans un contexte international tendu, Kennedy s'était imposé cette visite à Paris, chez un allié réputé difficile, avant d'affronter Khrouchtchev en Autriche. Alors Kennedy a lu avec attention les fiches préparées par la CIA et le département d'État. De Gaulle est distant et austère. Ses gestes sont étranges et ses discours très en dessous de la moyenne. Mais son style est éblouissant. De Gaulle est un pragmatique. Il peut, à la consternation de son service de sécurité, plonger dans la foule pour serrer des mains. Deux conseillers du président Kennedy, Arthur Schlesinger et Ted Sorensen, ont préparé la rencontre à Paris. La visite à Paris était particulièrement importante pour le président Kennedy. D'une part parce que c'était son premier voyage à l'étranger en tant que président, d'autre part parce qu'il admirait beaucoup la figure historique qu'était le général de Gaulle. La France est notre plus ancien allié. La France possédait sa propre force nucléaire, bien que de portée limitée. Ce qui était naturellement, pour le meilleur ou pour le pire, un élément à prendre en compte dans notre analyse ultime de la situation militaire en Europe. De plus, le fait que De Gaulle connaisse déjà Khrouchtchev, que Kennedy allait bientôt rencontrer pour la première fois, le fait que De Gaulle ait déjà négocié et traité avec l'Union soviétique, tout cela faisait qu'il possédait des données de première main dont Kennedy souhaitait prendre connaissance. La foule est au rendez-vous. Le séjour commence bien. Dans le dossier de Gaulle transmis à Kennedy, figure aussi ce rapport inspiré par Pierre Mendès France à Arthur Schlesinger. De Gaulle est une personnalité tout à fait saisissante et imposante. Ce n'est pas une raison pour se laisser impressionner outre mesure. Le président ne devrait pas hésiter à exprimer ses désaccords. De Gaulle prendra la mouche, mais il respecte la franchise. Il est surtout farouche. Il a le contact difficile. Il doit toujours surmonter sa propre timidité et il préfère le tête-à-tête aux réunions à plusieurs. N'oubliez jamais qu'il existe un penchant pour la démence chez De Gaulle. Un jour, il m'a dit « J'ai deux frères, il y en a un qui est fou et qu'on a dû interner, l'autre est normal. Moi, je suis entre les deux. » Palais de l'Élysée, 12h. Le premier entretien porte sur la situation à Berlin où Khrouchtchev menace de partager la ville en deux. Kennedy, très inquiet, craint une guerre. Alors, négocier ou pas, mon général? Vous répondez que négocier, c'est capituler. Que faisons-nous concrètement? Demande alors Kennedy, agacé. S'il veut la guerre, répondez-vous, il faut faire comprendre à Khrouchtchev qu'il l'aura. Fin de votre premier entretien. Kennedy sort diminué d'un échec contre Castro dans la baie des Cochons. Vous, général, venez de briser le putsch de vos généraux rebelles en Algérie. La CIA est-elle impliquée dans ce complot contre vous? Vous n'en parlez pas.
Il ne faut pas remuer la boue. Mais vous êtes si pressé d'aborder le second sujet de la journée que vous oubliez que Pierre Salinger est toujours présent dans votre bureau. J'étais avec Kennedy. Tout d'un coup, Charles de Gaulle lui lance « Écoutez-moi, Monsieur le Président, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Vous ne devez pas intervenir militairement au Vietnam. Regardez-nous. Au Vietnam, la guerre, nous l'avons perdue. Moi, je sais que cette guerre au Vietnam, vous la perdrez vous aussi. Ne faites jamais ça. » En tout cas, vous, de Gaulle, affirmez que vous n'aiderez pas l'Amérique dans ce conflit. Kennedy vous reprochera amèrement ce refus. C'est avec la figure historique, de loin celle que Kennedy préfère, que s'achève à l'Arc de Triomphe cette première journée d'entretien. Demain, vos discussions reprendront. Il est exact de dire que Jackie Kennedy vous a ravi, Charles de Gaulle, et représente à elle seule le succès de cette visite à Paris. Pendant un déjeuner, vous lui avez parlé de Churchill, un dur qui changeait sans cesse d'avis, de Roosevelt, qui n'avait qu'un désir, se débarrasser de vous, de Gaulle, et de Truman, un marchand de bretelles. Le jeudi 1er juin, vous avez donné une grande réception à Versailles. Jackie est habillé haute couture française, et les journaux s'extasient devant sa maîtrise de votre langue. Avec une humilité feinte, le président américain a déclaré aux journalistes « Je me présente, je suis l'homme qui accompagne Jacqueline Bouvier Kennedy à Paris. » C'est ce triomphe que l'histoire va retenir. Mais après la fête et les communiqués chaleureux, il reste de part et d'autre un goût amer. Car vous abordez alors les deux sujets qui vous tiennent à cœur depuis votre retour au pouvoir, la bombe atomique et l'OTAN. Le 1er juin, Kennedy s'est rendu seul au siège de l'OTAN, porte Dauphine à Paris. À son retour à l'Élysée, vous lui exprimez vos doutes. La France veut de moins en moins dépendre des décisions américaines. En fait, vous voulez quitter l'OTAN. Le général savait très bien qu'il fallait se battre pour être l'un des 4 ou 5 rangs qui se partageaient les destinées du monde. Il aurait pu s'aligner. Il ne s'est jamais aligné. Et la seule façon d'être reconnu dans l'ordre international, c'est d'avoir l'arme atomique. Vous voulez être certain, général, que Kennedy utilisera cette bombe atomique en cas d'agression soviétique en Europe. Vos questions irritent Kennedy, qui vous demande de ne pas faire état de vos divergences pour ne pas le fragiliser lors de ses conversations avec Khrouchtchev le lendemain à Vienne. Quelques heures avant son départ, vous avez tous les deux un dernier entretien, entièrement consacré au problème de la bombe atomique. Kennedy veut par-dessus tout vous dissuader, de Gaulle, de construire votre propre force de frappe. Mendes France l'a dit à Arthur Schlesinger, de Gaulle veut la bombe pour des raisons psychologiques. Kennedy tente de vous rassurer. Le voulez-vous vraiment ? Cette visite à Paris raconte les relations franco-américaines des 8 années à venir. Kennedy va passer rapidement de l'admiration qu'il éprouvait pour vous à l'exaspération. Vous ne vous reverrez pas. 40 ans plus tard, le scepticisme se lit encore chez Schlesinger. Je pense que quelle que soit la déception de Kennedy vis-à-vis de Gaulle, elle était bien moindre que celle qu'il a éprouvée suite aux conversations avec Khrouchtchev. Et quand il est rentré aux États-Unis, il était beaucoup plus inquiet de ses discussions avec Khrouchtchev que de celles qu'il avait eues avec de Gaulle. Il voyait de Gaulle comme une sorte de grande figure historique. Du coup, il était prêt à l'excuser pour certains excès. Il ne le considérait pas comme un de ses contemporains. J'ai trouvé General de Gaulle beaucoup plus intéressé dans notre opposition franchement.
whether or not it was his own, than in appearing to agree with him when we do not. For he knows full well the true meaning of an alliance. He is, after all, the only major leader of World War II who still occupies a position of great responsibility. General de Gaulle could not have been more cordial, and I could not have more confidence in any man. Le 4 août 1961, l'Amérique, qui jusqu'à présent ne surveillait que les essais atomiques de l'URSS, décide d'installer une base secrète pour observer les futurs essais souterrains français du Sahara. Les Américains veulent s'établir au Mali ou au Niger. Ce sera en Libye. Évidemment, vous ne devez pas savoir que vos alliés américains vous surveillent. Kennedy savait, il le pressentait vraiment, que Khrouchtchev serait obligé de dresser un mur. À Berlin, au cours de l'été 1961, la tension s'aggrave. Pour arrêter l'exode massif des réfugiés allemands, Khrouchtchev décide de dresser une ligne de barbelés entre l'Est et l'Ouest. De Gaulle pensait qu'il n'était pas question d'entrer dans une négociation qui aboutirait à régulariser une situation qui était une situation de fait, je le rappelle. Les services secrets soviétiques savent que vous n'êtes pas d'accord avec Kennedy. Et Khrouchtchev se sent les mains libres pour agir. Mais savez-vous, général, que Kennedy a déjà accepté la construction du mur de Berlin ? Il m'a parlé de ça très ouvertement. Il a dit : je ne peux pas mettre l'OTAN dans une position de conflit en Europe en entrant à Berlin-Est ou en Allemagne de l'Est. Ils ne seront pas d'accord. Ils accepteront à la rigueur la défense de Berlin-Ouest. Mais tenter de prendre Berlin, ce serait une vraie guerre. Dans ces circonstances, Khrouchtchev va devoir, et ce sera au final par n'importe quel moyen, mettre fin à cette effusion d'Allemands de l'Est qui se rue vers l'Ouest. Et il a ajouté : je pense qu'il y aura un mur. Kennedy envoie malgré tout des renforts pour rassurer les Berlinois. Le matin du 13 août, vous apprenez de Gaulle que des barbelés partagent Berlin en deux zones. Vous prétendez avoir voulu une riposte immédiate. Vous accusez le commandement militaire de vous avoir demandé l'accord des Alliés. Vous dites que ni Kennedy ni Macmillan n'étaient joignables. Est-ce sérieux ? Avez-vous vraiment voulu écraser les barbelés avec vos chars ? Qu'il y ait pensé, c'est possible, mais il avait trop d'expérience militaire pour savoir qu'il ne pouvait pas engager les forces françaises en Allemagne indépendamment des forces américaines. Avez-vous un double langage, général ? Les Français ont suivi. Mais ils ne pouvaient pas prendre position publiquement en faveur d'une Allemagne divisée. Cela aurait dérangé les Allemands et les autres. Le mur leur convenait. Je crois que de leur point de vue, c'était une bonne solution. Les barbelés deviennent bientôt un mur de béton. Vous en rendez Kennedy responsable. Kennedy s'est dégonflé, dites-vous. Les Américains s'expliquent. Le président Kennedy n'avait pas d'autre choix que de négocier avec l'Union soviétique pour préserver la paix et éviter une troisième guerre mondiale, qui aurait sans doute été la dernière, car certainement nucléaire. Le président Kennedy n'était donc pas disposé à adopter une position de non-négociation. Pendant trois mois, les chars alliés soviétiques s'affrontent à Berlin. This is the terror that once again casts its eerie shadow over the face of the earth. The hydrogen bomb, the bomb that Khrushchev announces will once again undergo tests by the Russians. Le 30 octobre 1961, Khrushchev rompt ses engagements et reprend les essais nucléaires sur la bombe H. Le nouvel ambassadeur américain à Paris, James Gavin, un de vos compagnons de guerre, commente votre réaction. Oui,
We talked about the psychological aspects of this, why it was done, the increased tension. And as you know, the General de Gaulle feels that in this atmosphere of tension and a buildup of tension, we should not rush to negotiate. Kennedy, lui, veut sortir de cette confrontation avec l'URSS et vous demande de vous associer à une négociation avec les Soviétiques. Il vous téléphone le 12 décembre. Vous dites à Kennedy, vous ne voulez pas mourir pour Berlin, les Russes non plus. Votre nouveau refus indispose Kennedy. Il vous écrit le 31 décembre 1961. Votre présence ajouterait de la force et de l'influence à notre démarche. Mesure de rétorsion ou de chantage, Kennedy vous informe que l'Amérique refuse de vous aider à construire votre force de frappe. Si nous vous assistions, nous n'aurions pas de raison de résister à la pression des Allemands qui voudront bénéficier du même traitement. Vous recevez cette lettre comme une offense, mais pour l'Amérique, les raisons de ce refus sont beaucoup plus simples. Kennedy était fermement opposé à toute prolifération nucléaire, que ces nouveaux armements soient contrôlés par des adversaires, par des pays neutres ou par des alliés. Plus il existe de puissances nucléaires indépendantes, plus le monde est dangereux. Et une guerre nucléaire peut s'y déclencher d'autant plus facilement, même par accident ou par erreur ou par méprise. Cette force de frappe était trop limitée pour défendre la France, et encore moins l'Ouest, mais trop puissante pour que nous ayons une Europe stable et pacifiée. Hiroshima, c'était 10 hommes, un avion, une bombe. Eh bien, ces 10 hommes, cet avion et cette bombe, arrêtaient un conflit qui avait duré 4 ans, et dans lequel s'était engagé par dizaines de milliers, des chars, des avions, des canons. Et là, tout était ramené à l'unité. Et ça, le général de Gaulle l'a saisi tout de suite quand il a dit « Vous avez raison, il suffira que nous soyons capables de leur arracher un bras. » Voilà l'arme qui lui permet d'intimider pour qu'on lui fiche la paix, pour qu'elle ne fasse plus jamais la guerre. Votre ami américain justifie ses refus par la loi McMahon qui interdit d'aider une puissance étrangère à accéder au nucléaire. On vous applique cette loi scrupuleusement depuis votre retour au pouvoir. Vous vous en êtes expliqué alors avec le président Eisenhower. Après le dîner, les deux vieux généraux se sont retirés en robe de chambre devant la cheminée. De Gaulle a eu une phrase tout à fait extraordinaire. Il a dit, je vais retirer notre armée de l'Afrique du Nord. Ce sera une armée qui n'aura plus de raison d'être s'il n'a pas les armes les plus modernes qui existent. Pour que cette armée maintienne sa cohésion et son efficacité, il faudra que je la dote en compensation de l'Afrique du Nord des armes les plus modernes. Et naturellement, la question nucléaire est apparue. Eisenhower lui a dit « Pourquoi pensez-vous avoir besoin de bombes nucléaires ?» De Gaulle lui a répondu « Vous, Eisenhower, vous vous battrez pour l'Europe parce que vous savez ce qui est en jeu. Vous avez été obligé de le reconquérir. Mais le jour viendra où l'Union soviétique aura les moyens d'atteindre l'Amérique du Nord. Ce jour-là, un de vos successeurs ne fera une guerre nucléaire que pour défendre l'Amérique du Nord. Ce jour-là, j'aurai besoin d'être insupportable tout seul. Voilà pourquoi il me faut des bombes. » Toujours vos mêmes craintes. À la Maison-Blanche, il y a les pour et il y a les contre. La CIA tient Kennedy périodiquement informé de l'évolution de la force de frappe française. Votre bombe va vous coûter très cher. Pourquoi ne vous aide-t-on pas ? Il y avait le vieux complexe anglo-saxon calviniste, anti-latin. On ne peut pas lui confier le feu du ciel, on ne sait pas ce qu'il peut faire, il peut faire des pires bêtises. Non, il faut que ça reste entre nous. Hélas, on n'a pas pu empêcher que la Russie devienne nucléaire, mais il faut empêcher que la France le devienne. Lors des réunions de l'OTAN, McNamara essaie de dissuader votre ministre des Armées, Pierre Messmer, d'entreprendre le programme nucléaire français. Le raisonnement de McNamara était un raisonnement essentiellement
économique et financier. C'est trop cher. Vous n'y arriverez pas parce que c'est trop cher, vous vous ruinerez, et en plus, ça ne servira à rien parce que pour avoir un système d'armes opérationnelles, il faut que vous ayez des fusées, il faut que vous ayez des sous-marins nucléaires ou des avions, et vous verrez que ces systèmes d'armes sont d'un prix incroyablement élevé. Et que le budget militaire français serait beaucoup mieux employé, pense-t-il, aux armes, en dépensant de l'argent pour les armes classiques. Vous ne possédez que la bombe A et quelques avions de type Mirage. Vous rêvez d'une bombe thermonucléaire. Si les États-Unis donnaient leur savoir-faire, la France économiserait des milliards de francs et beaucoup de temps. Mais Kennedy dit de nouveau non à la France. J'ai toujours pensé que Kennedy avait tort. Premièrement, je trouvais que ce n'était pas une mauvaise chose pour les États-Unis d'avoir un allié qui s'y connaisse en armes nucléaires, car ainsi nous ne serions pas seuls à juger en la matière. Deuxièmement, je comprenais le point de vue français selon lequel, en cas de crise très grave, il faut pouvoir disposer d'une certaine capacité nucléaire. Et troisièmement, nous avions dit oui à la Grande-Bretagne, alors pourquoi pas à la France ? James Gavin obtient difficilement la vente à la France d'avions ravitailleurs pour vos Mirage 4. Mais en désaccord avec l'attitude de Kennedy envers la France, il démissionne de son poste d'ambassadeur à Paris. Our governments have different views on, for example, the soundness or not of the French independent nuclear program. The French question our tendency, as they put it, to want to negotiate about Berlin. They think negotiations are quite inappropriate. They are reluctant to attend meetings on the subject of a nuclear testing cessation. These are not of great importance, but they nevertheless exist. There perhaps are other minor differences too. Après l'indépendance de l'Algérie, le 3 juillet 1962, vous pouvez vous consacrer plus librement à votre politique étrangère. En Allemagne, vous faites un voyage qualifié d'empereur d'Europe. Mais vous évitez de vous rendre à Berlin pour ne pas cautionner ce mur de la honte que vous reprochez à Kennedy. Si unsere beiden Völker schon einander vertrauen. Attention, de Gaulle, votre triomphe va trop loin. Savez-vous que le département d'État n'aime pas votre jeu personnel avec vos amis allemands ? Le 20 octobre, la crise éclate à propos de Cuba. Un avion espion a photographié des installations de missiles nucléaires soviétiques sur l'île. Réuni en cabinet de crise, Kennedy ordonne le blocus de Cuba. Une guerre atomique menace le monde. Et la France, de Gaulle ? Kennedy ne voulait pas en faire un conflit entre les États-Unis et l'Union soviétique. Il voulait en faire un conflit entre l'Union soviétique d'un côté et toutes les démocraties occidentales de l'autre. Il voulait s'assurer que les principaux dirigeants européens, de Gaulle, Macmillan, Adenauer, comprenaient parfaitement ce que les États-Unis faisaient et pourquoi. Un émissaire, Dean Acheson, est envoyé à Paris. Mais de Gaulle est le dernier chef d'État informé après Macmillan et Adenauer le 22 octobre à 17h. J'ai discuté avec Dean Acheson après coup. Il m'a dit que de tous les dirigeants qu'il avait rencontrés, dont Macmillan, de Gaulle, Adenauer, c'était de Gaulle qui l'avait le plus impressionné. Kennedy s'attendait à ce que de Gaulle soutienne l'initiative américaine. Tous les autres demandaient à voir des photos, des preuves. De Gaulle, lui, a déclaré qu'il n'avait pas de temps à perdre avec ça. Il dit « Les États-Unis sont menacés sur leur territoire et par conséquent, la France se trouve aux côtés des États-Unis ». Kennedy était soulagé de voir de Gaulle se positionner avec autant de vigueur et d'honnêteté. Soyons clairs, Kennedy ne vous a pas demandé un conseil, seulement votre soutien. La crise se dénoue avec le départ des missiles de Cuba. Une énigme subsiste. En pleine crise, Kennedy a demandé à Dean Rusk de dire oui enfin à une aide nucléaire à la France, si cela pouvait vous inciter, vous, de Gaulle, à le soutenir dans ce bras de fer. Mais Dean Rusk ne vous aime pas.
Il ne vous transmet pas la proposition. Autant que je sache, sa seule mission était d'informer le général de Gaulle. Il l'a peut-être dit, mais ils n'ont jamais rien fait. Je ne suis pas si sûr que ça que le président Kennedy était prêt à partager tous nos secrets nucléaires. Ce troc gêne-t-il autant qu'il soit si difficile d'en parler même aujourd'hui? Cela aurait-il changé vos relations? Désormais, il vous faudra aussi compter avec l'anti-gaulliste Charles Bolène, nouvel ambassadeur à Paris. Derrière les sourires convenus de la photo officielle de la visite de Macmillan à Paris, se cache votre nouveau refus à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Pourquoi cette intransigeance ? De Gaulle avait ses idées bien à lui sur l'Europe. Il voyait la Grande-Bretagne comme une puissance atlantique, pas comme une puissance européenne. Il pensait que si la Grande-Bretagne rejoignait le marché commun, cela transformerait celui-ci en une sorte d'entreprise coloniale dominée par les Américains. Le lendemain de Rambouillet, Kennedy reçoit Macmillan aux Bahamas. Il a une proposition à lui faire. Il lui propose de lui fournir des missiles Polaris plus puissants que tous les programmes nucléaires précédents, à la condition que vous, Français, acceptiez cette même proposition. Pour vous, Général, il s'agit bien entendu d'un traquenard de votre ami américain. Kennedy a pensé que cela calmerait De Gaulle, en quelque sorte, et que cela faciliterait l'entrée des Britanniques dans le marché commun. La position de Kennedy, c'est un coup pour nous empêcher d'avoir une force nucléaire autonome. Car si nous acceptons d'avoir des Polaris, eh bien, à partir de ce moment-là, nous sommes dépendants des Américains pour le lancement de nos armes nucléaires, donc ils contrôlent notre arsenal nucléaire. Nous ne sommes plus indépendants. Macmillan accepte, mais vous, Général, comment allez-vous réagir, se demande-t-on à Washington? Lorsque Macmillan a accepté d'abandonner tous les programmes de fusées et de prendre le Polaris pour fuser des sous-marins anglais, ce fait-là a été ressenti très, très durement par De Gaulle et ne l'a certainement pas bien disposé vis-à-vis de la candidature anglaise au marché commun. Je pense que c'était naïf. Mais quand on est dans une pareille situation, on essaie tout ce qui paraît raisonnable. Votre réponse se fait attendre et la Maison-Blanche s'impatiente. Déjà, des indiscrétions provenant de Paris laissent entrevoir votre refus. Nous nous attendions à ce qu'il refuse. Je crois qu'il considérait toute collaboration politique avec les Américains comme une dilution de la nation française. Le 4 janvier, vous vous montrez très évasif avec l'ambassadeur Bolène. Mais le 14 janvier... Il ne serait vraiment pas utile d'acheter des fusées Polaris alors que nous n'avons ni les sous-marins pour les lancer, ni les têtes thermonucléaires pour les armer. Washington était estomaqué. Mais moi, je ne comprenais vraiment pas pourquoi Washington était tellement surpris. Parce que De Gaulle avait déjà exposé sa position sur tous ces sujets dans ses mémoires. Je me suis rendu compte que très peu de gens au département d'État avaient lu les mémoires de De Gaulle. Cette date marque pour de longues années la fin des amitiés franco-américaines. Qui êtes-vous, De Gaulle? Comment faites-vous pour gagner aussi facilement les élections de 1962, se demande Kennedy. Qui est votre entourage? Votre ami américain veut tout savoir sur vous. Quand il parlait comme un soldat. Et il faisait tout pour que son interlocuteur comprenne bien qu'il était le chef de la France. Kennedy était partagé entre deux sentiments et passé de l'un à l'autre. L'admiration pour De Gaulle, le héros, et l'exaspération la plus vive envers lui. Les jours où il était vraiment énervé, il pouvait traiter De Gaulle de salopard. Un jour, Kennedy m'a demandé « Pourquoi De Gaulle se comporte-t-il comme ça ?» J'ai répondu « Il ne peut pas faire grand-chose contre les Russes. C'est un nationaliste français, alors il se retourne contre vous. » Et Kennedy a répliqué « C'est lamentable, non ?»
Si à l'époque j'avais été secrétaire d'État et si j'avais eu affaire à De Gaulle, j'aurais pu moi aussi très vite perdre patience. En tant qu'universitaire, je l'admirais, mais je ne sais pas comment j'aurais réagi en tant que secrétaire d'État. Je partage le point de vue courant chez les Anglo-Saxons. De Gaulle était un homme remarquable, mais il pouvait être une vraie teigne. Kennedy fait appel à la CIA. Il sait qu'il n'a plus les moyens militaires et financiers pour vous intimider. Alors il planifie campagne de presse, discrédit et ragots. Le général, il ne se confiait pas à tout le monde, même pas à ses collaborateurs. Quand il avait envie de garder un secret ou une intention ou une malice, il la gardait pour lui. Que peut-on vous reprocher? Qui ne vous aime pas? Qui pourrait vous trahir? Certains de vos proches nous fournissent des informations. Qui sont-ils? J'ai pas de preuves, mais il y a des indices quand même assez sérieux. Quand le qui était de l'armée de l'air quitte ses fonctions par limite d'âge, on s'aperçoit 6 mois après qu'il devient d'une grande société d'armement américaine. Et si cette proposition lui est faite, c'est vraisemblablement parce qu'il avait auparavant, dans ses fonctions, d'excellents rapports avec les Américains. La CIA met en place ses réseaux, achète hommes politiques et journalistes, entreprises de presse et syndicats, sociétés de cinéma et d'édition pour influencer l'opinion publique française. Est-elle allée au-delà de la simple action psychologique? A-t-elle organisé des opérations de déstabilisation contre vous, De Gaulle? Elle a voulu aider financièrement les mineurs en grève du nord de la France, mais Kennedy s'y est opposé. A-t-elle obéi? La CIA vous écoute. Elle apprend que la France sera en mesure de lancer un sous-marin nucléaire dès 1967. Les Américains surveillaient de très très près nos tirs nucléaires, de très très près. Ce qui était important pour les Américains, c'était que les prélèvements qu'ils faisaient après chacun de nos tirs leur permettaient de savoir où nous en étions. Peut-on parler d'une guerre avec la France? Non, pas encore. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Mais vous désapprouvez le discours que tient John Kennedy lors de sa visite à Berlin en juin 1963. Vous répétez que vous, De Gaulle, n'y étiez pas allé pour ne pas cautionner le mur de la honte. Les Américains, eux, se réjouissent de l'accueil enthousiaste des foules allemandes en comparant aux actualités vos voyages respectifs. It is officially estimated that 350,000 greet the president as he arrives to attend mass at that medieval cathedral. This is twice the number that welcomed President Charles de Gaulle in September, when he was here to woo Adenauer into the French camp. France has suggested that the U.S. might no longer... Lequel des deux jalouse l'autre? Mr. Kennedy pledged that the U.S. will remain in Europe. Le 26 juillet 1963, vous êtes général de Gaulle, le seul avec la Chine de Mao, à ne pas signer le traité de non-prolifération des armes nucléaires de Moscou. Expliquez-vous. La France, du moment que d'autres en ont, ne sera certainement pas détournée par l'accord de Moscou de se doter elle-même de ces moyens-là. Faute de quoi, puisque les autres en ont, sa propre sécurité et sa propre indépendance ne lui appartiendraient jamais plus. Les puissances atomiques n'ont pas l'intention du tout de nous installer à parité avec elles. Imaginez que pendant la crise des missiles à Cuba, la France se soit engagée d'une façon, disons, indépendante et séparée de Washington.
On avait assez de problèmes comme ça avec l'utilisation des armes nucléaires et ce que ça implique. Pour devoir en plus se dire, oh mon Dieu, et à Paris, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils craignaient, et avec juste titre, que dotée de l'arme nucléaire, la France se détache de l'OTAN en disant, après tout, je n'ai pas besoin de vous. John Kennedy, votre ami américain, est assassiné à Dallas le 22 novembre 1963. Le premier entre tous, vous suivez son cercueil. Vous ne l'aviez jamais revu depuis sa visite à Paris. Ce jour-là, vous étonnez l'Amérique. À la Maison Blanche, le soir de l'enterrement, vous êtes le premier homme d'État à rencontrer son successeur, Lyndon Johnson. Vous ne vous entendrez pas. Johnson a dit, « Il y a deux hommes au monde que je n'accablerai pas publiquement. Le premier, c'est De Gaulle, et le deuxième, Mao Tse-tung, parce qu'ils seraient chacun bien trop contents. » Vous portez à votre tour des jugements désobligeants sur le président américain. La CIA, déjà bien introduite dans votre entourage, rapporte vos propos à Johnson. Les relations entre vous sont détestables. Notre jugement sur De Gaulle était un jugement complexe. C'était un homme compliqué. C'était impossible de s'entendre avec lui. Très intelligent, capable de manipuler tout ce qui était à sa portée. Johnson le considérait comme une véritable plaie. Nous avions bien des ambassadeurs là-bas, tous très capables, mais ils n'avaient jamais été vraiment acceptés par le président. Sûr, ils lui présentaient toujours leurs lettres de créance, mais ils n'avaient pas de relation avec lui qui leur permette de dialoguer, de parler d'égal à égal. La CIA ne vous lâche pas. Elle surveille vos déplacements et en rend compte au président Johnson. Le Mexique, par exemple. L'Amérique latine est la chasse gardée de l'Amérique. Un mois avant votre voyage à Mexico, elle intercepte le discours que vous vouliez y prononcer et le transmet au département d'État américain. Un discours d'ailleurs magnifique. El pueblo francés, opone al pueblo mexicano, marchemos la mano y viva México! Nous conseillons au président Johnson de s'inspirer de ses accents latins et de cette mystique révolutionnaire que De Gaulle a magnifiquement utilisée dans son discours. Au terme de ce voyage sous haute surveillance, les services américains notent avec soulagement que les foules étaient deux fois moins nombreuses que lors du voyage de Kennedy en 1961. Êtes-vous rancunier, général? Est-ce pour offenser votre ami américain que vous boudez les cérémonies du débarquement allié de Normandie le 6 juin 1964 ? Et que l'on vous voit en revanche le 15 août à la commémoration du débarquement de Provence auquel participèrent les Français. Faut-il s'étonner de voir alors ressurgir la question de l'OTAN? Vous aviez déjà mis le président Kennedy en garde. Vous n'êtes plus satisfait du traité. Vous le répétez encore aujourd'hui. Ça dérange, évidemment. The 15 nations of NATO meet in the Netherlands with Secretary of State Dean Rusk representing the United States. This spring session of the Atlantic Alliance faces some knotty problems. De Gaulle's reluctance to keep French forces under NATO command is a question that will not be immediately resolved. Le général de Gaulle l'a dit, s'il y a une guerre, il faut que ce soit sa guerre. Et par conséquent, le général de Gaulle ne veut pas être que la France soit entraînée dans une guerre qui serait la guerre des États-Unis, par exemple. Alors, il y a eu des incidents, bien entendu, qui ont montré au général que les Américains, via l'OTAN, traitaient la République française, son territoire, ses dépendances, comme des sortes d'annexes où ils pouvaient improviser
ce qu'il désirait sans rendre compte de ce qu'il faisait à personne. J'ai assisté aux séances ministérielles deux fois par an. Les Américains venaient avec leur ordre du jour, et on ne parlait que de cela, et puis, quelles que soient les réponses qui pouvaient être faites par les Alliés, on ne faisait que ce que les Américains avaient décidé. Il y a une chose que les Américains n'oublient jamais, c'est que ce qui est sacré, ce sont les intérêts des États-Unis. Le reste. Il est indispensable de connaître vos intentions. La CIA travaille à cela. Dès le mois de mai 1965, Robert Schwetzel, collaborateur du département d'État, est mis en relation avec un informateur français. Il y avait effectivement un Français qui nous informait de ce qui se passait. C'était quelqu'un qui s'inquiétait de la vulnérabilité de l'Europe si elle était privée d'une OTAN efficace avec sa forte implication américaine. Je tiens à être très prudent là-dessus, parce que je ne sais pas ce qui a été déclassifié. Ce dont je me souviens clairement, c'est qu'un membre éminent du gouvernement français, un haut fonctionnaire de premier rang, pensait que le général de Gaulle se trompait politiquement, à un tel point, jusqu'à sérieusement menacer les intérêts français, qu'effectivement, il faisait en sorte de nous avertir. J'ai le vague souvenir qu'il était en contact très direct avec Chip Bolen, notre ambassadeur. C'est à l'ambassade américaine de Londres, le 17 mai, que Schwetzel rencontre cet ami de l'Amérique. Il établit un rapport pour sa hiérarchie. Il est venu me voir à notre ambassade de Londres. Comme toujours, il était très loquace. La taupe lui révèle que De Gaulle va quitter l'OTAN. Quand ? Elle cherche. De Gaulle est violemment anti-américain, au point que ça en devient presque une phobie. Il n'y a aucune chance pour un quelconque compromis. Les Américains ne doivent absolument pas donner l'impression qu'ils veulent chercher un accord. Si les États-Unis tiennent bon, alors il reste toujours la possibilité que les Français reviennent sur leur avis. Qui est l'informateur ? Aujourd'hui encore, son nom est effacé des documents déclassifiés. Il y avait dans le ministère des Affaires étrangères des hommes qui étaient très hostiles à la politique du général de Gaulle. Je crois que cette ou ces taupes, car il y en a eu plusieurs, je pense, avaient la conscience tranquille. Et ils avaient l'impression que en transférant aux États-Unis ces informations, ils agissaient non pas contre l'intérêt national, mais contre la politique du général de Gaulle qu'il jugeait néfaste pour la France. La taupe du Quai d'Orsay informe les Américains surtout heure après heure. Et on n'apprend plus rien de votre conférence de presse du 17 septembre qu'il ne sache déjà. En politique étrangère, il a annoncé pour 69 la fin de la subordination de la France à l'OTAN et évoqué l'entente qu'il envisageait de l'Oural à l'Atlantique. Et vous dites que la France va quitter l'OTAN en 1969. La taupe vous contredit. Elle précise 1966. Les Américains, comme nos autres alliés, pensaient « Oh, De Gaulle en parle, mais jamais il n'osera le faire ». Nous espérions que les Français ne quitteraient pas l'OTAN, parce que bien que les Français se soient retirés de l'organisation militaire, il y avait quand même la possibilité, en cas de crise ou de guerre ou de menace de guerre, d'utiliser les territoires français pour approvisionner les armées en Allemagne, etc. La France, sans revenir sur son adhésion à l'Alliance Atlantique. Le 21 février 1966, devant la presse, vous tergiversez. Vos alliés ne savent plus quoi penser. Peut-être même les lassez-vous. I have only seen the very brief press report regarding General de Gaulle's conference, which apparently has just concluded before this meeting, and I would much prefer to await a full report on the exact statement before getting into any detailed discussion involving the general's observations. President Johnson, vous prend-il vraiment au sérieux?
À cette époque-là, notre point de vue évolue progressivement. Il y avait l'admiration envers l'homme, cela devient de la lassitude, et puis on finit par le considérer comme une menace pour les intérêts américains. Le 7 mars 1966, vous informez officiellement le président Johnson de votre retrait de l'OTAN. Nous l'avions prévu. J'imagine que dès janvier ou février, ou début mars 1966, c'était une fin attendue. Je pense que la CIA et aussi notre ambassade nous avaient annoncé que c'était en cours. La stratégie de De Gaulle, c'était mettre devant le fait accompli. Après, on n'avait plus qu'à se débrouiller. Mais je crois que sa plus grande erreur est d'avoir quitté l'OTAN. American military personnel and installations in France may only be a memory if General de Gaulle's April 1st, 1967. Un débat partage alors la Maison Blanche. Réagir ou laisser faire. Johnson tranche. Lyndon Johnson a réagi en disant : si quelqu'un vous demande de quitter sa maison, vous prenez votre chapeau et votre manteau, vous dites au revoir et vous partez sans faire de vagues. Pour lui, ce n'était pas qu'un proverbe texan. Notre calcul, d'un point de vue stratégique, était que nous n'avions en main aucune carte qui puisse changer la décision française. Pour Johnson, ce qui était extrêmement important, c'était de s'assurer que les autres membres de l'OTAN n'oublient pas que l'initiative de cette très fâcheuse affaire venait de Paris, pas de Washington. Avec le départ de vos amis américains, un des buts de votre présidence est atteint. Que voulez-vous de plus ? La Russie, comme vous l'appelez ? Vous projetez de faire en juin 1966 un voyage controversé en Union soviétique. Vous assisterez au lancement d'un missile. Le sujet vous passionne, on le sait. Mais les Américains voient dans cette visite chez votre nouvel ami un renversement des alliances. Le sénateur Hutchison critique votre attitude. He's going to Moscow in June. Now, he isn't going there just to leave his car to have a pleasant glass of vodka with some of the Russian leaders. He's going there to carry out the policy which he has talked about. This Europe from the Atlantic to the Urals. He believes that he can bring about this situation. He hasn't the slightest conception that his security depends upon the great number of armed Americans that stand between him and trouble, the great number of armed Germans and Dutchmen and Belgians, etc. President Charles de Gaulle, wearing his army uniform, arrives at Moscow's airport for the start of a 12-day state visit. L'Union soviétique représentait une menace absolument colossale pour nous et pour le monde. Alors, le voir partir pour Moscou avait tout pour effrayer n'importe quel homme sensé. Qu'est-ce que ce type va fabriquer ? Et jusqu'à quel point va-t-il gêner nos intérêts ? La CIA, toujours derrière vous, se procure 3 jours plus tard le compte-rendu de vos rencontres avec Brejnev et Kosygine. Un rapport obtenu grâce à la taupe française. Ce rapport soulage la Maison Blanche. Entre l'Amérique et l'URSS, vous ne vous trompez pas d'adversaire. Aujourd'hui, certains conseillers fanfaronnent. Il faut bien que les journalistes aient quelque chose à écrire. Il faut qu'ils aient des histoires à raconter. S'il n'y a pas vraiment d'histoire, ils dramatisent. Mais la dramatisation, ça a des conséquences, parce que les chefs d'État lisent les journaux, et ça les contrarie, ça les énerve. Et leurs ministres des Affaires étrangères aussi. Et puisqu'il faut bien que ces chefs d'État et ces ministres prononcent des discours, ça devient au plus haut niveau, une sorte de vaste comédie. Mais à la base, il n'y a jamais eu véritablement quoi que ce soit en cause. Résumons-nous. En 1967, les troupes de l'OTAN quitteront la France. Vous avez rapatrié des États-Unis vos réserves d'or. Et vous avez, 7 ans avant Nixon, reconnu la Chine communiste de Mao. Vous n'avez cessé de répéter à votre ami américain que le Vietnam serait un échec cuisant. Vous nous défiez. Vous allez bientôt partir. Aujourd'hui, alors que la guerre s'intensifie, vous dénoncez l'Amérique et appelez à la paix. Il n'y a aucune chance
Les accents de votre discours de Phnom Penh au Cambodge nous font mal. Vous ne changerez donc pas. Le 9 septembre 1966, en provenance du Cambodge, vous atterrissez en Polynésie. Une destination tenue longtemps secrète, mais révélée par la taupe à la CIA. Y a-t-il encore quelque chose à découvrir ? À ce moment-là, les Américains ne se font plus d'illusions. Ils savent que nous disposons des explosifs nucléaires. Mais ils ont l'espoir que nous n'arriverons pas à mettre au point facilement, parce que ça coûte très cher, parce que c'est très compliqué, les lanceurs. Que cachiez-vous, général, derrière le folklore de Mururoa ? Le général tenait beaucoup à assister à un tir nucléaire. Il avait espéré que ce serait un tir thermonucléaire. Ça n'a pas été tout à fait un tir thermonucléaire. C'était une très très forte bombe A, mais pas une bombe H. La réaction du général de Gaulle, qui est à bord de ce navire où je suis à côté de lui, lorsque nous voyons cet immense champignon classique des tirs nucléaires, surtout lorsqu'ils ont lieu sur un atoll. La réaction de Gaulle, c'est de dire « c'est magnifique ». Pour lui, c'est magnifique, non pas parce que c'est une arme de destruction épouvantable, mais parce que c'est la réalisation française qui montre que la France est devenue une puissance nucléaire. La France fait partie désormais des grands. Est-ce pour cela que vous provoquez les anglophones avec votre « Vive le Québec libre » ? On vous soupçonne d'encourager la partition d'une province francophone qui serait moins soumise aux grands frères américains. L'administration démocrate en poste à Washington renonce à vous changer. Vous devez comprendre que, sur certains sujets, nous ne prenions pas de Gaulle terriblement au sérieux. De Gaulle lançait plein de pointes contre les États-Unis, mais il faisait bien attention de ne pas aller trop loin sur une question majeure. Ça, c'était du De Gaulle tout craché. En fait, Johnson pense que vous n'êtes pas immortel et que bientôt vous partirez. Nous allons encore devoir patienter 2 ans. Lyndon Johnson ne se représente pas aux élections de 1968. Le républicain Richard Nixon, ancien rival de Kennedy, lui succède. Quand Nixon est élu, sa première visite à l'étranger, c'est Paris. Nous avons vécu cela comme un moment historique, puisque nous étions arrivés à mettre fin aux querelles franco-américaines. C'est enfin le retour à Paris de l'ami américain. Nixon avait de bons rapports personnels avec le général de Gaulle, ce qui n'avait jamais été le cas de ses prédécesseurs. Nixon appréciait les dirigeants forts. Il avait le sentiment que de Gaulle rendait la France plus forte. Il voulait une France forte au sein de l'Alliance. Malraux, Mesmer, Couve de Murville, comme pour la visite de Kennedy en 1961, le décor est identique. Et une fois encore, dans les salons de l'Élysée, vous nous interpellez. Pendant la grande réception à l'Élysée, un conseiller vient me dire « Le président voudrait vous parler ». Alors, j'y vais. C'était un homme que j'admirais depuis toujours. Il me regarde. Il était bien plus grand que moi, alors il me regarde de haut. Et il me dit, « Pourquoi ne quittez-vous pas le Vietnam ?» Directement. Pas de « ravi de vous rencontrer » ou quoi que ce soit. Juste, « Pourquoi ne quittez-vous pas le Vietnam ?» Vous ne changez donc pas, général. Quant à la bombe, vous ne nous demandez rien, car... Kissinger me dit, « Je suis chargé par le président de vous dire que il ne prolongera pas l'opposition américaine à l'armement nucléaire français. Nous considérons que cet armement est un fait. Nous sommes allés jusqu'à la limite absolue qui nous était permise. Nous étions restreints par la loi, que nous avons pourtant interprétée avec générosité. Je ne pense pas que nous ayons fait quoi que ce soit d'illégal, mais nous sommes allés très loin dans le cadre des limites établies. Très loin. On est allé jusqu'au bout. De tout cela, vous ne profiterez pas.
Deux mois plus tard, le 27 avril 1969, vous quittez le pouvoir.